Yo les gens, c'est Lopok et aujourd'hui on va jouer à un jeu en VR d'horreur. Donc c'est de l'urbex et ça se joue en multijoueur. Je jouerai avec Déo Tartin et Léo Techmaker. J'explique pas trop là parce que vous allez comprendre avec la vidéo, mais je veux juste vous prévenir qu'il y a beaucoup de cris et de panique parce que le jeu est juste ultra putain de flippant. Et en réalité virtuelle c'est encore pire. Du coup likez, abonnez-vous, merci. En gros c'est comme Gus DX, sauf que là c'est pas du fake. Et c'est comme Ghost Adventure, ce genre de truc, on va dans une maison, on a des outils pour détecter s'il y a des fantômes et notre but c'est de prouver qu'il y a un fantôme dans cette maison en apportant des preuves. T'as un K2 qui détecte s'il y a des zones paranormales autour de toi, t'as un appareil photo pour prendre des photos, faut pas faire nappe avec l'appareil photo, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a que 5 photos, ok? Bon, moi je te suis, hein. Vas-y, ouvre la porte. Ok. Ok, on y va, on y va. Ah, déjà j'ai peur. On va prendre du matériel. Ah, oui. L'appareil photo, tu le mets dans ton slot gauche. T'as un slot gauche et un slot droite, tu le mets quelque part quoi. Je prends le cas machin. Ça, c'est la lampe UV pour voir s'il y a des traces de fantômes, je le prends. Le bouquin là, on en a besoin et... aussi. Faut que quelqu'un le prenne. Toi, t'as quoi, Léo? T'as la caméra, prends-la. Bon alors, Léo, faut que t'éclaires notre chemin. C'est qui a la lampe? J'ai une lampe. Ok. Avec... alors, éclairez bien. Attends, faut taper. Non, on est. Bon, allez, rentre. Mais... non, attends, si je passe devant, je veux la lumière. Attends, allez-y, rentrez. J'ai trop peur. Vous voyez ce que j'ai dans la main là? Si ça s'allume, oui. Il y a des lumières, ça veut dire que le fantôme est pas loin. Donc là, il est pas là, d'accord? Il y a qu'une lumière, il est pas là. Ah, la lumière clignote. La lumière est clignote. Attendez, je passe devant. Le fantôme, il est au courant qu'on est là en tout cas. Je pense qu'on est en dehors. Laisse-moi pas derrière. Venez avec moi. C'est bon, j'arrive. J'ai trop peur. Je suis un fils de pute. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tomber la lampe torche. Elle est tombée dans les chiottes. Non, tu te fous de ma gueule. Non, t'es sérieux? Non mais mec, il y a un nombre là. Non mais y'a une ombre là, on est d'accord. Mais c'est pas pourquoi y'a une ombre. Mais là dedans dans la vitre y'a le putain d'ombre dans le coin. Hein? Le miroir là. Putain. Y'a une ombre. Le bas mais non, Et tu l'as. Pourquoi il y a écrit die dans ton carnet d'un coup? Ah, un accident pas... d'autographe, yes. On a une première preuve. Ok, c'est ça le but en fait, c'est d'avoir des preuves. Ça voit tellement rien, c'est horrible. On voit que dalle, on voit vraiment que dalle. Ok, il faut redescendre sous sol. C'est quoi ça? C'est quoi ça devant là? Venez avec moi. Tu vas où? Tu vas dans la cave, mais t'es un malade. Mais non, allez, viens. Je vois rien. T'es où le peuple? Léo, t'es où? T'es où? Je suis là. Peut-être raison. Je suis là, regardez. Arrête d'éteindre ta lampe, c'est notre seule source de lumière. C'est toi, Tartin. Putain, tu m'as fait peur. Oui, c'est bon. Oh, c'est allumé. C'est allumé, regardez. Mais on peut allumer les lumières, allumez-les. Toutes les lumières s'allument en fait. On a pas fait ça depuis le début. Parce que c'était plus marrant d'en chier là. Lopok, il nous faut un briquet parce que les fantômes ils peuvent éteindre les bougies. C'est vrai? Laisse une bougie. J'ai trop une bougie moi. Arrête d'éteindre. Putain, éteins. Arrête d'éteindre. Oh, l'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Oh, il est l'esprit. Il est là-bas, il y avait un joueur en plus et on était 5. Il y avait vraiment un mec en plus là-bas qui se baladait et qui s'est payé. Hein. Je l'ai vu. Merde, t'es sérieux? Non. J'ai vu un mec venir de la cave. Non, ta gueule. C'est vrai. Je vous jure. Il est derrière moi, c'est ça? Dans les films. Il faut jamais se retourner. Donnez-nous un signe. Non, il est plus là, il est parti. T'as dit qu'il était en bas. J'ai vu quelqu'un en fait marcher vers nous depuis en bas. Et mais il ressemblait à un joueur qui avait pas du tout notre skin, un autre skin. Mais le fantôme est pas loin de nous. Et on a froid. La lumière marche plus, les gars. Moi, je me casse ici, allez vous faire. Oh, arrête. Faut rester ensemble. On va à la cave, allez, c'est parti. On voit rien. On en vient. On voit que dalle. Dans le camion. Venez. En fait, si on est trop là-bas, on perd la santé mentale à force. Et là, il faut qu'on se régénère un peu parce que sinon, on va crever en fait. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, mais on voit ce que je vois là-dedans en fait. Moi, c'est une vidéo et du coup, vous pouvez voir là, il y a quelqu'un qui peut rester ici et j'ai trouvé un téléphone. Rester ici. Là vous voyez là ou pas? Oui, on le voit. Il faut que quelqu'un vienne avec moi parce que je suis pas bien. Vas-y, je viens. Mec, on va mourir. Tu veux la lumière et aller devant ou pas? Allez, d'accord. Vas-y, lâche-la par terre. Allez là. Ok. Attends, mais okay, c'est mon chat ça? Il était pile poil sous la lampe en fait, c'était abusé. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Mec. Ah non. On peut rien, Lopok, t'es mort. T'étais pas ici. Léo a crié, si j'étais TP ici, Léo. Il avait la lampe, Léo. J'écoute le stream, c'est trop drôle. Venez avec moi, tous les deux. Mais moi je veux venir, Tartin, tu viens. T'avais prévenu que ce jeu il foutait les boules, ok? T'as dit 600 fois et tu me disais, mais non, tranquille, c'est marrant. J'en ai rien à foutre, maintenant vous venez avec moi. Je m'en bats les couilles. Tu mets ton stick en avant et tu poses plus de questions. La lumière, elle est là, c'est bon.
Oh, il y a son cadavre. Regardez, il y a son cadavre. Il est mort. Okay. Elle est là. Attends, mais c'est okay, mon c'est chat, là, c'est ça. Il était pile poil sur la lampe, en fait. C'était abusé. Mec ah, ah non, nom de Dieu. Peut-être que vu que toi, tu hurlais dans ton micro tout le temps, ça fait peut-être baisser plus ta sanité. C'est pas impossible. Ah, hein. Peut-être. Bon, allez. Non, mais il faut parler de manière calme, genre, oh, bah dis donc, oh, ça grince. Ouais, oh là là, quelle jolie maison. Nique sa mère, les esprits! On essaye de jouer comme des vrais professionnels là pour une fois. Ok. Ok, d'accord. Donc là, je détecte rien. Déjà pour commencer, je pense qu'il faudrait qu'on allume toutes les lumières qu'on trouve. Ah, vous avez entendu le fantôme? Tartin, ton K2 est allumé? Mon K2 est allumé. Tiens-le à la main pour bien voir qu'il s'allume et tout, parce que s'il y a du bruit et tout. Là, c'est pas trop flippant là. Venez, on va ici là. Ok, donc là, il y a une télé logiquement. Télé qui va probablement s'allumer dans quelques instants. Il y a le K2 qui s'est affolé là-bas. Hein. Ouh, ah bah venez, on y retourne. Pourquoi c'est éteint là? Déjà, pourquoi c'est éteint pour commencer? C'est quoi ce bordel? Faut que vous veniez, faut que tu viennes. Reste de la place ou quoi? Venez! Je suis tout seul au milieu de la pièce où il y avait le cadavre qui s'activait. Vas-y, fais ton disposition, on s'en bat les couilles nous. Ah, franchement, vas-y, fais la mission. Venez! Est-ce qu'il y a des escaliers ici? Si. Il y a des escaliers ici, regarde. Dans la cave là. Donc il faut poser une caméra. Est-ce que tu veux que je me prépare à prendre une photo? Déjà, il faut que Tartin passe devant en fait. Est-ce que là pour l'instant rien du tout? Pas de détection, okay. Non. Non, là, attention, il y a un truc à mouche dégueulasse là. En vrai, Gusdex, c'est un malade. Ouais, c'est vrai que la santé mentale, faut la surveiller. Ah ouais? Mais putain, mais ils sont tous cassés, sérieux là? Mais vous êtes complètement tarés, pourquoi vous me laissez tout seul? Il faut qu'on... Écoutez-moi, il faut qu'on vadrouille un peu dans la maison. Récupérer des clés si jamais on peut essayer ça au garage. Oh, la porte, elle s'est fermée toute seule. Oh là la porte, elle s'est fermée toute seule. Ça s'excite. Ok, le bouquin. Écris, fils de pute. Écris, avance-toi. Mais attends, il y a un étage depuis trop longtemps. Là, je commence à péter un câble dans ma tête. Limite, j'ai envie qu'il m'attrape là. Il faut qu'on reste parce qu'on a besoin de preuves. On en a pas assez là. On en a même pas du tout en fait. Ah, il y a le K2. Deux secondes. Derrière vous. Ah. Derrière vous, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Oh bordel. Non. T'as entendu? C'était dans le jeu. Oui, non, j'ai entendu, mais j'ai entendu. C'était vous? Non, c'était dans le jeu. Non, oui, t'as entendu ça? Esprit, es-tu là? La télé, c'est allumé. La télé, c'est moi. Mais arrête de l'allumer, t'es con toi. Laisse-la allumer en vrai, je pense. Esprit, es-tu là? Je dessine sur le livre. Regardez, c'est un diable. Mais il dessine trop bien. Mais moi, je sais pas faire ça alors que je suis encore vivant. Dis, donnez-nous un signe parce que c'est la phrase qu'ils nous disent de dire dans le tuto. Ouais, donnez-nous un signe. Il faut se mettre dans le noir pour faire ça. Venez, on va à la cave. On va à la cave et on éteindra tout. On fait un vrai truc de bataille. Bonne idée, okay, venez. Donnez-nous un signe. Allez-y. Éteignez la lumière, il faut qu'on fasse dans le noir. Bon allez, j'éteins. Donnez-nous un signe. Il est peut-être pas dans la cave en vrai. Hein. Donnez-nous un signe. Je pense qu'il est pas à la cave. Ouais, vous aurez déjà déglingué. Non, ah. Non, c'est bon. Pas ici. Oh, j'ai le livre. Moi aussi, je l'ai. J'ai pas pris de photo. Je l'ai. Il faut qu'on se barre. Moi aussi, je l'ai dans la. Tu peux me laisser tester la Spirit Box? J'ai jamais testé, s'il te plaît. Tu vas la chercher. Gars, hein. Ça va être compliqué. Loïc, viens, on prend une photo. Ok, d'accord. Non, parce que la perche à selfie, c'est 25$ dans le shop. Tout le monde, oui. C'est bon? Yes. Vas-y. Des vacances. Et là, il y a le fantôme sur le selfie. Une bande de joyeux lurons. D'après le descriptif de la mission, quand même, le fantôme n'agirait que quand on est seul. Vas-y, on se fait confiance. Écoutez, on va faire un truc. Je veux que vous tous, vous allez au camion. Oh tous. Bon. Et que moi, ça, je viens. Quelqu'un à la caméra ou pas? Je vais prendre ce risque. Je vais la prendre avec moi pour que vous puissiez voir. Merci. D'ailleurs, la dernière fois, je me chie dessus, hein, vraiment. Elle est allumée ou pas? Parce qu'il y a un bouton, je sais, mais non, je vois pas. Il est... Quelle couleur? Là, c'est allumé. Là, c'est bon, là. Je pense que je vais avoir un screamer. Ah, ma lampe.
Oh, il m'envoie un screamer à l'aide. Esprit, êtes-vous là? Il se passe plein de trucs. Parlez-moi s'il vous plaît. Bonjour, Lopok, tout va bien. Mec, ma lumière a fou clignoté, j'ai eu trop peur, j'ai baissé la tête, si s'est passé des trucs, j'ai eu entendu des bruits pas et tout. Oula. Parlez-moi, s'il vous plaît, parlez-moi. Oui, on est là, pour on m'assurer. Est là. On est là. Il y a eu un gros pic sur le truc FEM là. 9%. Attends, de quoi? Non, mais tu te fous de ma gueule. 12%. Non, t'es à 74, t'inquiète. Lopok, t'es à 7%, faut que tu sortes. C'est Fort Boyard là. Il est là. Ah, regarde ta santé mentale. Ah, j'ai failli mourir, mon neuf fils de pute. T'as vu un fantôme? En fait, ma lumière a clignoté, j'ai eu trop peur et j'ai entendu des gros grésillements. Tu veux que j'y retourne pour faire un truc, Lopok? Je veux bien me sacrifier si c'est utile. En fait, le problème, c'est qu'il nous manque une preuve. C'est soit des traces de doigts, avec la lampe à la con, là. Il nous faut des traces c'est de doigts. C'est obligé d'y aller seul? Pour qu'elle agisse, ouais, faut aller seul, j'ai l'impression. Ah, vas-y, j'y vais. Je dois trouver des traces de doigts ou quoi? Ou si on voit une orbe là, on te le dit parce que ça veut dire que c'est un fantôme. Et si tu vois des traces de doigts, c'est une banshee. Okay. Il vient d'avoir des activités, hein, regardez. Déo, t'as des activités, ouais, fais attention. Il y a des grosses activités près de toi, regarde autour de toi s'il n'y a pas une banshee ou... Il n'y a pas une orbe à l'écran, regarde. Non, mais attends. Je regarde s'il n'y a pas une orbe qui passe. Regardez, mais là, il y a des grosses activités, regardez, il a 5. Ta santé va très bien, c'est 55%, hein, je rigole pas. Déo. Oh là là, c'est à 10. Déo. Regarde bien où sont les traces. Déo, 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 réponds-nous. Déo. Il est enfermé, go ouvrir, il est enfermé les gars. Ouvrez. Non, on marche tellement lentement. Il est mort. Oh putain, ça a éteint ma lumière. Putain de sa mère, ça a éteint. Il est là, le fils de pute. Il est là, au secours. Il est là, la porte est fermée. Non, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est Lopok? C'est qui là? Oui, c'est moi, oui. On a jamais fait, les gars. C'est vrai? Pourquoi on voit pas comme dans la vraie vie? Il y avait crucifix, il y avait thermomètre. Mais crucifix, c'est un mec dans Astérix. Alors. Oh, ouais. En vrai, tranquille. Bon, par contre, il n'y a pas de mur blanc ou quoi que ce soit, donc du coup, c'est on voit rien. Très très sombre. On voit que dalle. Pour moi, il y a 10 fantômes maintenant. Oh non, mais elle est abusée cette maison. Non, mais et sérieux là. Oh, il y a un étage. Il a l'air d'être ouf. Non, mais mec, mais regarde ici quoi. Mais mec, elle est gigantesque. Mais regardez, il y a encore une salle ici. Il y a encore une salle à manger de merde. Je sais même pas où est la sortie là. Non, mais mec, on s'est déjà perdu en fait. Là, il y a 6 salles, on est perdu. Qui a éteint? C'est pas moi qui a éteint. La lumière est déjà cassée. Tout est éteint. Même en bas, c'est éteint. Non, qui t'a crevé? Venez, on monte. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez ça. Y'a aucun bouton qui marche. Le groupe électrogène, il était en bas. Genre tout en bas, il y avait moyen, je crois, de réactiver du coup d'avoir la lumière. Je pense qu'il a raison. Ouais, je te suis. Je suis perdu, yo. J'ai peur en vrai là. Ok. Donc là, c'est la cuisine, c'est un peu plus loin. On a beaucoup plus de chances de rencontrer le fantôme en allant comme ça dans toutes les pièces. Hein. Mais non. Là, c'était là-bas, tout au fond. Il y avait un tableau électrique, donc je suis sûr, il y a moyen de le rallumer. Hein. Bien. Voilà. Okay. J'ai pas eu un seul truc du détecteur EMF quand même. Voilà, je voulais vous le dire. Venez, on remonte. Est-ce qu'on irait pas en camion? Non. Il est rassurant de ouf ce camion. Il a l'air sympa ce camion. Venez, on remonte là. Vas-y, je remonte avec toi. Oh là. Vas-y, passe devant, j'ai pas de lumière, je voyais rien. Ah, donc t'as avancé dans le noir comme un connard. Oui, c'est ça. Me disais avec un peu de chance, j'ai trouvé des preuves. Faut allumer. On peut pas allumer. Mais pourquoi? Parce que tout est éteint. Attends. Mais on a rallumé le groupe électrogène. Ouais, mais ta mère. Vous voulez qu'on monte au deuxième, moi? Vas-y, on monte au deuxième, allez, vas-y. Vas-y, passe devant si tu veux, j'ai pas de lumière. Attendez, prenez la caméra si vous montez au deuxième, parce que comme ça, moi je vois un peu. Allez, où là? Il est là! Non! Je te jure qu'il est là! Mais y'a rien! Je te jure, il est là! Y'a rien! Si! Mec, attends, je vois rien! Oh mon cœur bat dans ma tête! Oh, c'est affreux! Je vais mourir! Les portes ferment! Porte, sortez! Aidez-moi! Aidez-moi! S'il vous plaît! Je suis enfermé quelque part à l'aide! Putain, je suis enfermé quelque part, j'ai besoin d'aide! S'il vous plaît! Louis, t'as encore 32%, ne gueule pas trop! Oh mon dieu! L'activité était au plus fort là, t'as plus rien normalement. Le détecteur EMF ne sert à rien. Point barre. On est même pas monté au deuxième étage quoi! Moi je monte tout seul, moi je m'en bats les couilles! T'accompagne Louis, je dois prendre des photos. Regarde votre caméra là, vas-y! Y'a rien pour l'instant. Tu m'entends bien? Je t'entends. Ok, trouve le corps. Il est pas en bas à droite? Je vois pas, putain. J'ai l'impression que le corps a disparu, hein.
Tartin, t'es où? Viens, suis-moi de près, s'il te plaît. Genre, si on crève, on fait comme les pingouins, on se crève, on... Putain, ta gueule, toi. Y'a rien ici, faut qu'on descende. Y'a rien? J'ai peur de descendre maintenant. Il est où son cadavre? Il faut qu'on retrouve le corps. Ah, y'avait un petit truc, y'avait... Et du coup voilà, c'était la fin, je suis mort, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, c'était long à monter parce qu'il y avait des médias de partout, c'était un bordel monstre. Mets les chaînes en description parce que j'aurais probablement oublié de faire l'écran de fin. C'était vraiment très très cool à faire, même si des fois ça part un peu en couille parce que c'est terrifiant. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.